Tu vois, là maintenant tout de suite, je vais faire une vidéo parce que je pense que tu en as bien besoin d'entendre ce que je vais dire. Donc je suis consciente que ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde. Mais tu vois, je pense que je suis quelqu'un d'assez authentique, d'assez honnête. Là, je suis chez moi, je vais lancer un webinaire et tu peux le voir, je suis pas très coiffée. Voilà, j'ai pas là une luminosité de ouf chez moi parce que tout simplement, en fait, je bosse. Tu vois, et si tu penses devenir entrepreneur, si tu as envie de devenir entrepreneur, si tu vois, tu sens que le salariat, en fait, c'est un modèle qui ne te correspond plus, si tu penses que tu peux vraiment créer de la valeur pour les autres, alors ok, tu vois, tu peux te lancer en tant qu'entrepreneur et même je t'encourage à 1000% vu que j'ai créé mon incubateur pour vraiment aider les entrepreneurs sur le web à se développer. Donc tu vois, je suis derrière les entrepreneurs, je suis derrière les humains pour qu'ils développent vraiment leur business sur Internet. Tu vois, ça me tient vraiment à cœur. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai lancé mon blog, j'ai galéré pendant plus d'un an. D'ailleurs, j'ai lancé, quand je dis galérer, je mets des gros guillemets, tu vois, parce que y a des gens qui vont dire que c'est rapide, il y en a d'autres qui vont dire que c'est lent. Mais pour te donner une idée, j'ai travaillé pendant un an sur mon blog. Un peu moins d'un an, tu vois, si on est honnête. J'ai travaillé de novembre, fin octobre, début novembre à mai. Sur mon blog, tu vois, j'ai écrit 2 articles par semaine. J'ai vraiment contacté tous les influenceurs de ma catégorie. J'ai noué des relations, j'ai envoyé des emails, j'ai fait des interviews, j'ai commenté. Bref, je me suis donné à fond sur mon blog. Et en mai, je lance mon premier produit qui est un livre électronique. Tu vois, je lance ce livre électronique avec un prix promotionnel. C'était un tout petit prix, 17 euros, tu vois. Mais je voulais faire cette promotion pour les gens qui me suivaient, qui étaient inscrits à ma mailing list, qui étaient inscrits à mes réseaux. Tu vois, je lance ce livre, cet e-book, ce livre électronique et je fais 700 euros de vente, tu vois. Et moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, Margot, les gens ont acheté un truc que tu as fait. Tu as écrit un livre, les gens l'ont acheté. Moi, j'étais ravie, tu vois. Par contre, si on rapporte ça à tous les mois auxquels j'avais travaillé, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 7 mois. Je travaille 7 mois. 7 mois et après 7 mois de travail, j'ai eu 700 euros. Et j'ai travaillé plus de 15 heures par semaine, plus de 20 heures par semaine. Je travaillais mais vraiment beaucoup sur mon blog et au bout de 7 mois, j'obtiens 700 euros. Donc là, tu vois, il y a 2 choses qui se passent. Soit tu es quelqu'un de passionné qui veut vraiment créer son activité et tu continues en fait. Tu continues parce que tu sais que les gens vont acheter. Tu continues parce que tu crois en ton produit. Tu continues tout simplement parce que tu as envie en fait. Et tu vois, si je l'avais fait pour l'argent, concrètement, j'aurais arrêté là parce que tu travailles 7 mois, tu as 700 euros au bout de 7 mois. Tu vois, toute personne sensée qui sait faire un calcul de rentabilité, qui sait faire une division, se rend compte que tu gagnes 100 euros par mois pour plus de 15 à 20 heures travaillées. Donc, si je l'avais fait que pour l'argent, si ce n'était pas un truc, un message en moi, si ce n'était pas une volonté forte en moi, si je n'avais pas envie de créer ma liberté, si je n'avais pas eu la foi, si je n'avais pas eu envie de continuer, d'aider les gens, de diffuser mon message, j'aurais arrêté et j'aurais continué mon travail de salarié parce qu'à l'époque, j'étais toujours salarié. Donc, maintenant, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu deviens entrepreneur? Pourquoi tu crées ton blog? Pourquoi tu veux quitter le salariat et devenir plus libre? Quel est ton message en fait? Parce que laisse-moi te dire un truc. Je sais que je le répète beaucoup aux membres de mon incubateur. D'ailleurs, je parle souvent de mon incubateur. Donc, si ça t'intrigue, tu as le lien dans la description et tu t'inscris. Je ne veux pas te faire t'afficher des trucs bizarres sur mon écran. Si tu es motivé pour travailler avec moi, tu trouveras le lien. Donc, j'en parle souvent aux membres de mon incubateur, mais je n'ai jamais fait de vidéo publique à ce sujet. Donc, aujourd'hui, c'est ça. D'ailleurs, les entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Margot, ça n'a pas marché. Margot, tes conseils, les conseils de machin, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. » La première question que je dis, c'est « Ça fait combien de temps que tu essaies ?» Un mois. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, ben ce mois-ci, j'ai envoyé quelques mails, vite fait. J'ai oublié, j'ai envoyé qu'un email. Ça fait vraiment un email en un mois. J'ai envie de te dire, c'est pareil, tu vois. J'aime bien parce que mes deux thématiques, c'est le bien-être et le business. Et c'est 2 thématiques qui sont intimement liées. Parce que si tu veux perdre du poids, si tu veux te muscler et que tu vas une seule fois dans le mois à la salle de sport, si tu veux perdre du poids et que tu manges des pizzas tous les jours, sauf un jour dans le mois où tu manges une salade, est-ce que tu crois que tu vas maigrir? Sérieusement? Est-ce que tu crois que si tu manges
30 jours des pizzas et un jour une salade, est-ce que tu penses que tu vas perdre du poids? Non, tu vas grossir. Est-ce que tu penses que si tu fais rien pendant un mois et tu vas un jour à la salle de sport, est-ce que tu penses que tu vas améliorer ta condition physique, tu vois? Non. Donc, ne viens pas te plaindre, ne cherche pas des excuses, ne me dis pas que ta vie est difficile, ne me dis pas que tu n'as pas eu le temps, ne me dis pas que tu as un travail salarié en fait. Parce que si tu veux vraiment créer ton blog, diffuser ton message, tu vas trouver le temps en fait, tu vas en faire ta priorité. Donc, ne viens pas me parler d'excuses de vie difficile. Je raconte pas souvent ma vie dans le passé. Tu sais que voilà, j'ai travaillé chez McDo pour des salaires dérisoires. Tu sais que j'avais un salaire de... j'étais cadre à la Défense et en plus, je travaillais sur mon blog et en plus, j'avais mon agence. Donc, je dormais environ 4 à 5 heures par nuit. En plus, je suis mariée, donc tu sais, si tu es en couple, si tu as une famille, ça prend du temps. En plus, je faisais du sport parce que pour moi, ma santé est très, très importante et c'est vraiment une composante de ma vie importante. Donc, si tu veux, j'ai fait de ces choses-là mes priorités. Donc, je ne pouvais pas tout faire parfaitement. Bien sûr qu'il y avait des choses que je négligeais. Bien sûr que lorsque je me suis focus à fond sur mon business, eh bien mon business, il a explosé. Mais tu vois, j'avais des résultats. J'avais des résultats parce que je n'ai jamais arrêté. Donc, si tu veux, mes conseils pour réussir, c'est connais ton message. C'est-à-dire, c'est quoi ton message? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu lances ton blog pour gagner 1000 euros par mois, laisse-moi te dire qu'au bout de 3 mois, tu auras arrêté parce que tu vas te décourager. Si tu n'as pas vraiment envie de faire ta société, tu vas te décourager parce que putain, c'est dur. Hein. Je suis désolée de dire putain, mais putain, c'est dur. Donc, tu vas te retrouver le soir où tu vas, il y a des soirs où tu vas avoir envie de tout arrêter. Il y a des soirs où tu vas angoisser. Il y a des soirs où tu vas te prendre une critique d'un gars qui te dit que tu es une vieille merde et tu vas vouloir arrêter. Il y a des soirs où tu as même des gens que tu as aidés qui vont te critiquer ensuite par la suite parce que tu n'as pas répondu à leur email. Bref, tu vas te prendre des claques dans la gueule comme tu t'es jamais pris. Donc, si tu fais ça pour l'argent, laisse-moi te dire, tu vas abandonner. Deuxième chose, donc, connais ton message. Et ton message, ça peut pas être « j'ai envie de gagner de l'argent ». Enfin, si tu veux apprendre aux gens à gagner de l'argent, ça peut être ton message. Mais si ta seule motivation, c'est faire de l'argent et gagner 1000 euros par mois, laisse-moi te dire, tu vas vite arrêter. Deuxième chose, je te dis ça pour toi en fait, hein, parce que je reçois beaucoup de demandes, beaucoup d'emails, beaucoup de questions de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui veulent débuter et qui sont perdus. Donc voilà, première chose, ton message. Ensuite, entoure-toi bien de que ce soit ta famille, entoure-toi bien de tes coachs, entoure-toi bien de gens qui ont déjà réussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait au début et j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, si tu es plus intelligent que moi, fais bien ce deuxième point. Et ensuite, persévère, continue. Si tu n'y arrives pas au bout d'un mois, ne viens même pas te plaindre en fait. Parce qu'il va falloir que tu persévères, mais quoi, 1 an, 10 ans. Donc, fais-le. Si tu as vraiment envie de le faire, focus et persévère. Parce qu'en fait, la seule façon de réussir, c'est de ne jamais t'arrêter en fait. Si tu ne t'arrêtes jamais, tu vas réussir, peu importe ce que tu veux. Donc, persévère. Sur Internet en plus, il suffit de continuer, il suffit de persévérer et tu vas y arriver, tu vas trouver une façon de faire. Donc, je voulais juste te faire ce message avec cette lumière de merde, ma tête qui est vraiment pas top pour faire une vidéo. Je suis devant mon ordi, tu vois, je vais lancer mon webinaire parce que oui, il est 19h45 et je travaille encore, tu vois, j'ai dû travailler 12h aujourd'hui alors qu'il a fait beau dehors, alors que j'ai la plage à 2 minutes à pied de chez moi. Alors que je suis mariée, que j'aurais pu passer du temps tranquillement à bouquiner sur ma terrasse, dans mon jardin. Voilà. Donc, si tu veux, je me suis levée à 7h et là, il est 12h plus tard et je travaille encore. Et je le fais avec grand plaisir parce que j'aime aider les gens et parce que j'aime ce que je fais. Donc oui, je gagne beaucoup d'argent et on va pas se mentir, on aime tous l'argent. Donc bien sûr que l'argent, c'est un moteur. Bien sûr que je veux de l'argent. Bien sûr que l'argent est nécessaire. Bien sûr que l'argent est une partie de l'équation du bonheur. Je vais pas te mentir. Ici, j'ai un plus grand appartement, je voyage tous les mois, j'ai pas besoin de me soucier de voir si mon compte est à découvert. Bien sûr, j'ai connu tout ça et je sais que l'argent apporte le confort. Et pour moi, le confort fait partie du bonheur. Donc, oui, on est d'accord. Mais si l'argent est ta seule motivation de départ, tu vas arrêter. C'est bien trop dur. Franchement, si tu veux de l'argent, prends ton argent que tu as déjà, investis-le, que ce soit en bourse, en immobilier, dans le bitcoin, dans ce que tu veux, dans les assurances-vie.
Si tu veux de l'argent, prends l'argent que tu as déjà et investis-le. Ce sera beaucoup plus rapide et ce sera beaucoup moins dur. Donc, si tu veux de l'argent, investis-le et ne crée pas ta boîte uniquement pour l'argent parce que tu vas te fatiguer. Voilà. Donc, comme je t'aime, franchement, je t'aime vraiment beaucoup, même si tu m'as envoyé ces messages-là, je le fais pour toi en fait. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut te dire la vérité. Je ne vais pas continuer à m'inscrire dans un truc de marketeur qui te dit que tu peux toujours tout faire. Tu peux toujours tout faire, oui, si tu as la volonté. Si tu n'as pas la volonté, je vais pouvoir te donner les meilleures stratégies. Je peux rien pour toi en fait. Si tu n'es pas déterminé, si tu ne vas pas continuer, si tu te décourages à la première occasion et que tu n'appliques pas les conseils que je te donne, je ne peux rien pour toi. C'est comme un régime. Je peux te donner les meilleurs trucs du régime. Si tu ne l'appliques pas, je ne peux rien pour toi en fait. Donc, voilà, c'était une petite vidéo. Je fais vite, tu vois, là, j'ai ma tête. Je vais lancer mon webinaire. Je te fais des bisous d'amour parce que franchement, j'espère que cette vidéo, tu vas vraiment la garder, la voir, la revoir, la partager, la liker. Fais ce que tu veux avec, mais diffuse-la parce qu'il faut que maintenant les gens sachent. Donc, je compte sur toi, je t'aime fort et je t'envoie la puissance des licornes avec toi. Je lance mon webinaire et je te dis à très vite. Salut.